Moi, très content de revenir quand même au PAUC. Je retrouve du coup la première division, même si c'est en tant que troisième. Donc moi, ça me fait plaisir de revenir dans le club où j'ai fait toutes mes 2 années de centre de formation. J'ai eu une année de... Voilà, on en parlera après avec un petit laps. Et du coup, là, franchement, ouais, ça me fait très plaisir de pouvoir revoir le public aixois et de réintégrer l'effectif que j'avais quitté l'année dernière. Du coup, j'ai commencé à Vénissieux, c'était un beau projet. On a eu des soucis financiers. Du coup, suite à ça, moi j'ai clos mon contrat et j'ai pu signer avec Cherbourg qui m'a donné la chance de pouvoir réintégrer sur de la D2. C'était en N1 Elite Vénissieux. Et du coup, voilà, j'ai fait la deuxième partie de saison du coup avec Cherbourg et du coup j'ai pu m'essayer au niveau D2 et ça m'a permis je pense, de bien progresser. Moi, mes ambitions individuelles seraient déjà de prendre ma place. Là, je suis numéro 3. Voilà, on a toujours envie d'avoir un peu plus, de gratter toujours un peu le truc. Ça fait partie du jeu, c'est la concurrence. Maintenant, je sais que je suis troisième pour ce début de saison. J'ai tout à prouver, donc à moi de faire le boulot, quoi. Là, je pense qu'on est tous dans le même but, on a tous le même but. C'est vraiment l'Europe à la fin de la saison, quoi. Il n'y a pas 12 000 solutions possibles. On sait que ça va être difficile, passer de 11e à la 4e place. Ce n'est pas des objectifs faciles, mais je pense que ça peut le faire. Et donc, on est tous là, et on le ressent à la prépa, tous dans ce truc pour faire au mieux possible. Franchement, le groupe est très très solide avec déjà beaucoup beaucoup de joueurs professionnels. On voit que par rapport à l'année dernière, c'est très très étoffé et avec de très bons joueurs. Du coup, même le staff, Philippe Gardant, tout le monde connaît Philippe Gardant. Donc je pense qu'on est tous heureux là, de faire partie de ce groupe-là et pouvoir tous jouer ensemble. Je suis sûr que ça peut faire quelque chose de très cool. Ouais. Du coup, Créteil à la maison, déjà c'est bien que le premier match de championnat on le fasse chez nous, devant notre public. C'est, je pense, le bon moment déjà pour mettre une première pierre et montrer que par rapport à la saison dernière, c'est du passé, qu'on est là pour montrer un autre visage. Après, que ça soit, je pense, Créteil ou notre équipe, on aurait tous donné le même investissement, on va donner le même investissement. Donc je pense qu'il va falloir surtout à l'Arena tout arracher, quoi.